Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode du Let's Play sur Assassin's Creed Origins The Hidden Ones. On va continuer plus en mode secondaire du coup, en essayant de compléter mine de rien cette zone parce que il reste pas grand chose. Et en plus je viens d'y penser vu qu'on est niveau 15-5, on va pouvoir s'attaquer aux ombres du scarabée. Mais oui, du coup il reste pas grand chose en point d'interrogation, après il y a les quêtes. Mais ouais, surtout ça qui m'intéresse pour l'instant, donc on va faire ça. Et bon, on a un point d'interrogation là. Ouais, on va peut-être commencer par ça, parce que sinon ça va être un peu le fouillis. Donc c'est parti. Après, je me dis que là, un peu plus au nord, il doit y avoir des trucs aussi, même si c'est pas marqué. En même temps, c'est vrai, il faut faire aussi le point d'observation, je l'ai pas encore fait. Et ça peut nous révéler davantage de choses. Donc c'est peut-être lui que je devrais faire en priorité, hein. Bah après, le point là, d'interrogation, ouais. C'est stylé ici, dis donc, hein. Avec l'obélisque et tout. Ah mais c'est un cadran. Ah mais c'est un cadran solaire, ce que je pensais aussi en voyant la carte. Ouais, c'est un cadran solaire ça. Ça rappelle un peu plus le décor comme ça de la. Bah, de la map de base. Hein. Alors ça doit être. Je sens le papyrus, non? Ouais, j'en étais sûr, j'en étais sûr. Méga de vin, ça pue le papyrus ici. Du coup. Ton papyrus, il est où? Il a l'air d'être en hauteur. Ah oui, il est tout là-haut, ok. Waouh, super, on va tout escalader du coup. C'est pas un souci, t'inquiète pas, tranquillou, normalou. C'est du coup le troisième papyrus, hein, je crois. Ouais, troisième papyrus. Donc ça, il faudra également se les faire pendant un épisode. Avec ou sans Solus. Ça, je sais pas encore quelle manière, hein. Adopter. Hop. Là, tu peux. Non, il peut toujours pas escalader, Bayek. Mais s'il peut pas escalader là, c'est qu'il faut faire le tour, non? Attends. Ouais, attends. On va passer comme ça. À part là, c'est bon, ça a passé. Ok. Pourquoi tu étais bien caché, petit papyrus? Tu étais bien haut. Parfait, ça c'est bon. Ensuite. On a ça aussi, du coup, j'étais passé à côté, je l'avais pas fait, donc ça on va le faire. Sinon j'ai oublié. Il est passé au bus pour ne pas être oublié. Dis donc, ici d'ailleurs, je peux reprendre tranquillement mon. Ma monture. Mon Gerta. Le petit trésor, du coup, ça va pas être compliqué à trouver ça. Alors, le trésor. Trouve en haut. Tout simplement, il se trouve en haut. Hop. Du coup, je vais pouvoir peut-être. Ouais, quoi que je me dis, j'allais dire pourquoi pas monter les armes maintenant, mais il y a le DLC qui sort après et 55 niveaux. Autant attendre qu'il y ait 55 niveaux pour tout améliorer, hein, mais bon, après, ça prendra du temps aussi d'attendre autant de temps. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose de judicieux à faire. Là aussi on a une truc. Ouais, on va faire ce chemin, on va faire ça, hop, ça et ça. Comme ça on aura à peu près fait tout ici. C'est un bon chemin. Si on prend les bons itinéraires pour être rapide et efficace. Faire le maximum de choses en un minimum de temps. Sur la force, sur ce jeu, on est habitué avec tout ce qui a été fait en secondaire. C'est bon là, c'est des petits trucs ça. Oh putain, comment ils transportent? Ah bah ils transportent plus. Il y avait de l'animation. Encore un camp, putain, mais il y a des camps partout ici. Toi par contre, mec. Voilà, dégage. Soit, t'es pas le chef. Oh, bah, parfait. Oh, il y a le coffre juste ici. Comme ça, c'est rapide et efficace, justement. Voilà. Ça, c'est fait. On peut se casser. On va quand même vous éliminer, vous insistez. Voilà. En plus, on va peut-être encore choper une compétence, parce que niveau 45 est déjà bientôt terminé. Ça va tellement vite. Alors ici, du coup, ça, c'est un espèce de temple. Ah bah, c'est ça. Oh, j'ai même pas vu, tiens. Ah, putain, c'est trop stylé avec le truc noir, là. Un gros obélisque, on dirait, mais bien gros, quoi. Lui, il est obèse, quoi. C'est l'obélisque obèse. C'est trop stylé. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est peut-être ça le point d'observation d'ailleurs, non? Le temple de Thoth. Ah bah voilà! C'est ça le temple de Thoth où on a l'énigme.
Donc c'est pour un papyrus. Encore une fois, je m'y attendais, hein. Quand c'est des lieux comme ça, souvent c'est qu'un papyrus. C'est là qu'on a la quête du coup. Bon, voyons voir où il est ce parchemin. Il a le papyrus. Pas parchemin d'ailleurs. Lui, il doit être facile à choper, vu où il se trouve. Il doit pas être en dehors en tout cas. Ah, quoique ici, hein, peut-être un peu. Oh, bon. Un chouïa. Voilà. Et c'est des petits trucs quand même en énigme. Ils sont peut-être faciles à résoudre. Pour l'instant, je les lis pas. Ils sont peut-être pas compliqués à résoudre. Surtout que la map est petite, donc en réalité, ouais. C'est pas si compliqué par rapport aux autres papyrus. Et du coup, point d'observation. On va aller le faire. Oh putain, l'arbre! Wouah! Qu'est-ce que c'est stylé! Oh le gros arbre, et regardez ça putain. Ouais, ça doit être en haut là le point d'observation. Qu'est-ce que c'est stylé tout ça! Magnifique, ça change tellement. Putain, la map est vraiment divisée en deux parties. Hein. Là c'est l'aspect riche et l'autre c'était vraiment. C'était vraiment le truc paysan quoi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Oh mais regardez ça, mais qu'est-ce que c'est imposant. Alors comment on monte sur ce truc? Par là je pense. Hein. Oui bah, en fait tout simplement comme ça. Hein. Il y a les petits trucs pour passer. Waouh. On va avoir une belle vue là encore une fois sur la map. Là je dis oui. Oh yo yo, regardez ça. Ah, c'est magnifique avec le cadran solaire aussi. Waouh. Et aspect un peu plus désertique à côté là, montagneux en tout cas. Parfait! Parfait, parfait, parfait. Et on a du coup le dernier point de synchronisation. On est au max pour la perception sinon de retour. Alors on recommence à monter le perso au max de retour, c'est bien. Donc c'est bon. Alors est-ce qu'on a des nouveaux trucs qui se sont révélés du coup sur la map? Prime abord, ici il n'y a rien. Donc bon, de Scarbeck, continue à avancer, mais on s'en fout. Là, du coup, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici, il doit y avoir des trucs, donc on ira quand même visiter ici pour voir s'il n'y a pas des trucs, on sait jamais. Mais en attendant, du coup, on va aller là. On va aller là, on va faire ces trucs. Par contre, pour descendre, comment je fais? Ah, oh, bah par là. Tout simplement, on a tellement de trucs pour descendre. Je vais peut-être même direct aller voir au nord, tiens. Ce qu'il y a. On va mettre un point pour bien se guider quand même. Mais genre ici, il doit y avoir des trucs, il y a un chemin et tout. Bizarre qu'il n'y ait pas un seul point d'interrogation quoi dans les parages. Hop. On va aller voir ça. On va vérifier. Parce que des fois, faut passer à côté des choses pour les révéler sur la map. Donc oui, on passe pas. Est-ce que pas, par contre, oui, non, c'est pas une route en fait ça. Elle doit être plus là la route, hein. Wouh! C'est pas grave, je suis un peu tombé là. Hein. Ouais, normalement c'est ça la route, c'est bon. Du coup. Ouais, il va falloir passer. Bon, on va passer comme ça, c'est pas grave. Hein. On va faire tout le tour. Grand, grand tour. Bon, moi on sera sûr qu'on rate rien. Parce que sinon, il y a des risques. Hop. Après, la route, elle doit être par là, à gauche. Un petit sentier. Ouais, c'est bon. Et ouais, du coup, les ombres du scarabée, maintenant on peut les faire. Donc ça, faudrait. Ouais, mais ce problème, c'est ça, j'ai encore oublié. Mais mes armes, elles ne sont pas au niveau. Elles ne sont pas du tout au niveau, mes armes. Mais est-ce que ce serait préjudiciable? Tant que mon perso est au niveau, normalement, ça devrait le faire quand même. Hein. Et bon, il y a la strat sur la monture, ça marche. Normalement, pareil que pour les fils à caisse, donc c'est pas compliqué de toute façon de les abattre. Hein. Je spam également avec l'arc de prédateur, ça marche très très bien, ça aussi. Ça marchait ultra bien. Bon, pour l'instant, il y a l'air de vraiment rien avoir ici. Vide de chez vide. Okay, bonjour les rebelles, on s'en fout de vous. Hein. Il y a peut-être des trésors, mais bon, c'est des trésors tout à fait optionnels, donc ils servent à rien. Mais sinon, c'est bizarre, mais non, il y a l'air de rien avoir. On est où là du coup? Ok, on va continuer quand même là tout au nord. Mais non, y a rien. Plus de sac là du coup. Rien qui s'est révélé. On va pouvoir du coup mettre le point sur ces deux derniers. Ah, il y a l'île aussi. Ok, on aura l'île. J'avais pas vu. Effectivement, en même temps, c'est logique.
Et là aussi, on a un truc. Ok. Ouais, faut faire gaffe aux trucs comme ça dans l'eau. Et oui, il y a l'autre aussi, là, qui était... Ouais, ça, attention. Ça, je l'ai pas récupéré, normalement, donc attention. Je dis bien normalement, mais non. Bah non, c'est impossible, de toute façon, non, je l'ai pas récupéré. Il n'y a pas de normalement qui tienne. C'est par là, par contre, le chemin pour... oui, c'est bon, c'est ça. C'est ça, le chemin. Oui, on a le souci du détail d'emprunter le bon chemin, quand même. Je trouve ça vachement important. Faut pas déconner non plus. Ah, on a un petit truc ici, on a un camp. Mais y a rien. Y a rien, de toute façon, non, y a rien. C'est bien beau, mais y a rien. Après on va devoir aller sur le rivage quoi. Même là j'ai... Oh allez vas-y attends. On peut les tuer facilement, gagner un peu d'XP. Hop voilà comme ça. Et là il en reste un. Voilà c'est bon ça. C'était pas long. Merde du coup je vais me faire poursuivre après pour ça. Ah j'ai doublement aidé des rebelles. Très bien. Dégagez bouquetin putain. Y'a pas de respect. Alors y'a quoi? Ah bah y'a un camp encore ici ok. C'est toi qui va crever, ouais. Hop. Tu es le capitaine pile trésor comme d'hab. Toi t'es one shot. Hein. Là y a pas le capitaine. Oh au feu tiens. Ah bah c'est con. Bah il est mort. Résultat il est mort. Non, mais il y en a pas mal des rebelles là. Des rebelles, des pierres. Ah bah il est là, tiens le chef. Oh putain, ça rapide, il va être chiant. Il va être chiant, c'est bon. Le trésor, du coup, lui, doit être un peu plus en hauteur, sûrement. Ok, il se trouve là. Écoutez, des gens qui dorment. On a même un truc pour descendre. Ah bah il va falloir descendre je pense de toute façon pour aller ouais. Ah quoique non peut-être je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là? On va aller voir quand même. Ok, putain je suis en mode fou bourrin là. Non. Les flammes c'est cheaté, on connaît. Y'a quoi ici du coup? Je sais pas trop ce qu'il y a là, mais bon rien. Toi là. Va dans le feu. Ok. Ma foi, la difficulté n'est pas ultra présente, mais ça c'est un truc pour monter en fait, non? Ah oui, non, c'est pas pour descendre, c'est pour monter. Ouais, mais dans l'autre sens, c'est pour descendre. Alors du coup, quoi d'autre? Ouais, ça on va aller voir comme directement, sinon j'ai oublié. C'est peut-être juste un bug visuel, il n'a pas été fait finalement. Hein. Ou alors ça s'est validé sans que je le fasse, c'est quand même très bizarre pour alors. Gerta. Hop. Je sais pas si on va avoir le temps de faire des quêtes là, du coup ça va être un peu chaud. Hein. Plus fixé sur les points d'intégration, en tout cas du coup la prochaine fois on aura le temps clairement de faire les quêtes. Si après imagine il reste plus que du principal, c'est qu'on est déjà à la fin. Hein. Ouais tu me diras là déjà 9 épisodes c'est pas mal. Hein. Genre je vois bien 15 épisodes pour ce let's play, honnêtement. 15 épisodes, ça me paraît un bon chiffre. Ça me paraît plutôt honnête. Alors ici, ah non on n'est jamais venu ici. Jamais venu ici. Impossible. C'est pas possible. Genre s'il y a un coffre, il doit se trouver là, de toute façon dans les parages. Impossible que je sois venu ici. Peut-être dans un petit tente là. Très bizarre. Non, on peut pas aller dedans. Moi comme ça c'est clair. La petite tête. Bah attends, hé hey. Oh.
On va voir avec Sinou, mais effectivement, il a l'air de rien avoir. Pourtant, je n'ai rien récupéré. C'est fâcheux. Non, il n'y a rien. Bon, bah oui, je suis jamais vu ici. Le trésor a été récupéré. Bah. Que veux-tu que je te dise, hein. Je sais pas ce que c'est votre bug, mais bah, c'est un bug. C'est un bug. Bon, bah du coup, hop. On fait ça. Si, on aura peut-être temps de faire au moins une quête, hein. Oh oui, 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 sûrement. Parce que là, ça va pas être trop long de faire ces trois derniers trucs, normalement. 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 C'est pas sûr, non. Ça va être quoi, ça, du coup? Ça va pas être encore un camp, quand même. Trésor, plutôt. Sur la rive, comme ça. Allez, hop. L'île, du coup, est-ce qu'elle est si loin que ça? Oh non, ça va. On a les bateaux, là, de toute façon. Non, ce sera pas très très loin. C'est l'autre truc qui est un peu plus isolé là-bas qui va être un peu plus compliqué. Alors. Ah, peut-être un prédateur. Ouais, crocodile. On n'avait pas encore eu, de toute façon, dans la map du DLC. C'est lequel? C'est lequel, le Master Croco? Il ou King Croc? Master Croco, ils ont le trésor du coup aussi. Oh putain, il est loin, oh le con. Je leur mets cher ou pas? Ah oui, midlife quand même, hein. Dans la tête. Ah, il y en a un qui est endormi en plus. Mais attends, lui, on va le ramener du coup. Ah, c'est bon, l'a touché, il pourrait se ramener normalement. Ou du coup, en attendant, hop, surtout que vous êtes nécessaire pour les améliorations. Et par contre, Gartod ramène pas, putain, il va se faire dézinguer lui. Idiot du village. Attends, du coup, on va tenter. T'apprivoiser. Ah oui, ça marche. Oh ouais, regardez, on l'a apprivoisé, ça marche. Trop bien. Trop bien. C'est trop trop bien. Et du coup, ça a un temps où il est toujours avec nous pour de bon maintenant. C'est trop cheaté sinon. Hep 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 hep, t'attaques pas Gartha toi. Oh. Non mais. Par contre il peut. Oh il est là. Oh merde merde merde. Il est là le dominant. Et ça ne marche pas en plus de l'endormir. Ah si, oh bah si ça a marché en fait, j'ai rien vu. Tiens. Hop. Ouais, on va te désapprivoiser pour te tuer. Et récupérer ta peau. Surtout qu'on a des fabrications de disponibles. Alors fabrication, on a quoi? Lame secrète ou brassard? Bah lame secrète, hein. On va mettre des gros one. Oh, oh regardez la lame, comment elle est stylée. Oh, je demande ce que ça va être sa dernière apparence. Et encore, bah non, on aura d'autres apparences avec le prochain DLC. Ça c'est sûr. Le trésor. Il est là. Les corails qui me bloquent. Ou les coraux plutôt. Nye. Ok. Oh, arc niveau 45. Ouais, mais c'est pas épique, donc ça me va pas à ravir. Ah, mais je peux encore fabriquer. What? D'où je peux encore fabriquer? Le brassard du coup. Ouais. Parfait, comme ça on avance. À part ça, putain, là... Là, il faut quoi? Ah, il faut de la peau de crocodile, c'est pour ça, pour la cuirasselle. J'arrive jamais à bien l'améliorer, hein. C'est affolant. Bon, on va récupérer un petit bateau, petit navire. On va partir sur l'île. Et peut-être que finalement, on n'aura pas le temps pour une petite quête. Que bon, les quêtes sont pas si longues, donc comment en faire une, je sais pas. Ou alors faire un épisode plus court et attaquer tout ça tranquillement. Oh, tous les flamants roses. Faut voir à combien de temps de vidéo on est quand on aura fait ces deux derniers points d'interrogation. Allez, c'est parti. Oui. On va mettre un point direct sur l'autre, là. Je sais pas où il est rendu, maintenant. Ouais, il est vraiment loin, lui, hein. Je sais pas ce qu'il fout tout là-bas, mais il est loin. On fera un peu de parcours. Faut voir le côté des choses de cette manière-là. Je sais pas si c'est le bon côté des choses, du coup je précise pas, mais voilà.
Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir sur cette île? Un trésor, moi je présume. Petit trésor quand même. Fort sympathique. Bon, faut pas que je. Faut pas que je crache mon bateau. On va essayer de le garder. Comme ça, on pourra le reprendre. Ne pas foncer dans les rochers. Voilà. Alors, nouveau lieu, l'île de Turquoise. Ah, c'est un endroit de pour se reposer, parfait. Bon, ça doit être tout en haut du coup. Comme ça, on aura. Un point de compétence, ouais. Non, on n'aura pas deux, on aura un. De toute façon, bientôt on passera après aussi fin de niveau 15-5, on aura second. Oh, oui. Très bientôt, on aura le l'arbre de compétences full, hein. C'est sûr. Hop, c'est ici, parfait. Oh, nice. Oh, nice. Il fait nuit, c'est beau, tout est nice, tout est beau, tout est stylé. Ah mais c'est même sous l'eau que je crois le trésor là. Non non c'est même pas sur une trirème, c'est sous l'eau. Carrément. Voilà, petit point de compétence. Et du coup, on va pouvoir descendre. Ah bah t'es fort sympathique cette île turquoise là. Hein. Qui n'est pas du tout turquoise. Enfin, c'est pas étonnant. Oh, il y a même des habitations. Mais rien de plus à part de toute façon mon lieu de repos. Ah ouais, ça a l'air d'être sous l'eau du coup là le truc. Zo. Allez, on est parti. Let's go. Let's go. Ouais, je pense qu'après on s'arrêtera là et le prochain épisode sera peut-être un peu plus long. Pourquoi tu me désynchronises? Genre, je suis pas dans la carte là? Oula. Je crois qu'il faut pas partir comme ça plein droit, ça marche pas. Mais en quoi je serais désynchronisé? C'est pas logique en même temps. Alors là, nous faisons face à un léger problème, à un léger contretemps du fait que il semblerait qu'on ne puisse pas passer. C'est quand même vachement con là. Hein. Genre là, je sortais de la map, peut-être, ouais, mais c'est bizarre. En même temps, elle est vraiment au bord hein, de la zone. Hein. C'est quand même bizarre. Allez, charge. Charge, charge, charge. Ok. Ça me fait ce qu'on est là. Étais-je vraiment hors zone? Je trouve ça bizarre quand même qu'il me disait que j'étais hors zone. Bon, si on y va comme ça, plein. En plein dessus, normalement, ils me diront pas que je suis en voie de désynchronisation. Hein. Bon, par contre, là, j'ai pas de voile, du coup, je vais être lent à mourir. Ouais, non, non, on va faire une réquisition là. C'est des ennemis en plus, parfait. Évitons de tirer sur le truc explosif par contre, enfin explosif, enflammé, sinon ce serait mort. Voilà, bon bah, hey. Comment réquisitionner un bateau de manière plutôt simple et efficace? Ma foi. Non, je veux pas porter par contre, je veux. Oh merde, putain, il va falloir le charter du coup, lui. Oh con. Allez, dégage. Merde, il veut même pas dégager à l'eau. Et là, je peux prendre. Voilà, c'est bon. Putain, c'est compliqué hein, pour ce point d'interrogation. Faut faire je sais pas combien de trucs, mais waouh. On va y arriver. On va y arriver. Sur, je sais pas. On n'a pas énormément de quêtes à faire. Hein. On a. Bah, trois quêtes, je crois, en comptant les trucs du scarabée. Hein. Donc, ça, on peut le faire en un épisode. Si on n'a pas d'autres quêtes qu'ils ajoutent entre temps. Mais pourquoi ce serait le cas, je sais pas. Donc, prochaine fois, on peut peut-être tout terminer. Mais vraiment tout. Et bah, il reste bon les papyrus, ok. Et on pourrait s'attaquer aux quêtes principales. Papyrus, ça se fait en même pas un épisode, hein, de toute façon. Hein. C'est pas si long que ça. Hein. Tu résous l'énigme, tu vas à l'emplacement, tu récupères le trésor. Pouf! x4, du coup, vu que je crois qu'on a 4 papyrus. Bon, ça va. Ok, on est arrivé, du coup. C'est quand même étonnant qu'on ait un trésor ici. Et je crois qu'on a peut-être pas qu'un seul d'ailleurs. Non, on en a deux. Ok. Ouais, c'est quand même bizarre, hein. Hop. Le boyau du signal. Le boyau plutôt. Boyau, pas boyau. Ah non, on a trois trésors. Aïe aïe aïe. Il est où le troisième du coup? Parce que je l'ai pas repéré lui. On n'aura pas assez de respiration. Surtout, je fais des trucs rapides comme ça. C'est stylé ici. Hop. Ok.
Il y a un autre ici. Et le dernier, par contre, Est-ce que je peux prendre Sinou quand je suis comme ça dans l'eau? Je suis pas sûr. Hein. Falloir remonter à la surface. Oh shit. Si j'aurais pu récupérer les trois trésors d'un coup. Non, c'est bon. Il se trouve là. Ok. 95, c'est bon, ça va pas. Ouais, ça va passer, c'est bon. On est un peu plus profond. Allez, Bayek, ça peut passer. Normalement, c'est bon. Parce que c'est quand même. Oh non, j'aurais le temps de remonter. Ah, okay. C'est où là? Parce que. Merde, c'est plus profond. Il est où ton truc là encore? Oh, c'est quoi cette douille? Merde, il faut trouver une crevasse là. Oh non, on va remonter, ça sert à rien. Ouais, il faut trouver une crevasse parce que ça passe pas sinon. Non, mais t'es vachement profond en fait. Ok. Encore, j'ai la compétence pour. Merde, non, 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 trop tôt. Je vais pas récupérer tout. Pour respirer plus longtemps sous l'eau, ouais. Donc c'est où ça? Il est où ce trésor? Il est où ce fameux trésor? Là, on voit rien. Par là. Non, on n'a pas de chemin par là. C'est bien profond, hein. Bah, super ce trésor, il est où? Peut-être encore descendre. Pas possible ça. Je m'éloigne trop là. Non, 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 non. Mais où est-il? J'ai jamais galéré pour un trésor comme ça sous l'eau. C'est la première fois et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Il doit y avoir une crevasse quelque part que j'ai ratée. Je sais pas dans quel sens, mais une crevasse. Encore devoir remonter, hein. Mais c'est sûr qu'il y a une crevasse, mais elle est où? Je vois pas. Je vois pas, je vois pas, je vois pas. J'aurais dû rester dans la crevasse où j'étais, c'était peut-être là. Parce que là, mec. Y a masse truc en plus là en bas, mais c'est où? Oh là 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 là. Eh, mais donnez-moi un tuba là! Donnez-moi un tuba, je vois pas d'autre manière sinon de réussir. Quel est ce fin trésor? Allez, remonte. Finalement, j'arrive pas à savoir comment faire là. Hein. Mais où est-il? Où est-il? Pas de crevasse. Et aussi bien, ouais, la crevasse, ça peut être loin, quoi. C'est pour ça que c'est pas gagné. Bon, là, on a cette crevasse, ok. C'est peut-être justement là, en fait, tout simplement. Il y a une issue. Moi, je dirais que le plus logique, c'est ici. Hein. Aha! Je crois que c'est là. Putain, mais le truc est vachement caché aussi. Hein. Ce serait le truc le mieux caché. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le trésor le mieux caché sous l'eau, je crois qu'on ait eu, hein. Wouah, le truc quoi, grotte sous-marine, tout ça, J'espère que la récompense ça vaut le détour, hein. Ouais, ma respiration elle va être chaude aussi. Oh my god. Ah, quand même, oui, bah c'est pas de la merde, mais ouais, malgré ça, hein. J'ai pas un autre moyen de remonter que par. Si c'est bon, là il y a un. Oh putain, mais respiration, je vais mourir. Je vais mourir. Vite. De la lumière. De la respiration. Oh putain. Oi oi oi. Vite, remonte. Ça va passer, c'est bon. Ça va passer, ça va passer. Ok, bon bah du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour l'épisode. On va regarder quand même si on a bien tout récupéré. Mais normalement c'est bel et bien le cas. Alors du coup la carte. Là déjà sur la petite mer, bah, ça a l'air d'être bon. Hein. Yep, là aussi. Ouais. Je vois rien pour l'instant. Non. Attends, vous vous rendez compte, on aurait déjà tout clean à 100% la map.
Ce serait magnifique, il resterait plus que les quêtes secondaires à faire. C'est déjà un gros morceau d'avoir fait tout ça. Hein. Et effectivement, je crois que c'est bon. On a officiellement tout fait les trucs secondaires. Eh bah quand même, ça fait vachement plaisir. Du coup, le prochain épisode, ce sera les quêtes secondaires. Hein. On a des points qui traînent déjà. Non, on n'a pas de points qui traînent hein, déjà. Parce que ça, c'est le truc pour Reda. C'est le truc de Reda. Donc on n'a pas de quêtes qui traînent. Donc on a juste nos quêtes du journal. C'est-à-dire les ombres du scarabée, l'ombre meurtrière et éclat d'étoile. Parfois, ça me paraît plutôt respectable. On sera fait dans le prochain épisode. J'espère du coup que cet épisode vous a plu, justement. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, bye tout le monde! Ooh yeah!